c'est avec une motivation particulière que j'assiste à cette cérémonie consacrée à la revalorisation et à la célébration du mois de l'artiste et des langues maternelles. Au-delà de leur fonction communicative, les langues maternelles constituent le creuset de nos identités culturelles, les catalyseurs de nos valeurs culturelles, reflétant notre passé et notre présent, tout en éclairant notre progression dans le monde. Leur complémentarité et leur interactivité demeurent déterminantes pour l'avenir de nos peuples, des traditions orales et dont le verbe est fortement significatif et le poète s'érige par excellence en leur porte-parole. Les artistes vecteurs de nos émotions, génies créateurs et sources inépuisables de l'immensité des richesses de notre patrimoine culturel, concourent de manière dynamique à la renaissance culturelle de notre pays. L'artiste n'est seulement pas un producteur des œuvres, mais il est surtout un éveilleur de mentalité, un conscientiseur, un modèle, un pilier central pour la moralisation de notre jeunesse à laquelle il doit servir de repère. Ainsi, les artistes constituent encore des métiers auxquels le gouvernement accorde une attention toute particulière, car la culture est devenue un moyen de partage et d'influence dans les concerts des nations à travers le développement des réseaux sociaux, devenus les principaux moyens de communication et de partage. Le patrimoine culturel reste donc un facteur important du maintien de la diversité culturelle face à la mondialisation croissante. Ainsi, aussi, le gouvernement djiboutien tient au développement culturel par la mise en place d'un dynamisme culturel et d'une approche stimulante de la créativité artistique sur l'ensemble du pays afin d'assurer la transmission intergénérationnelle au profit de notre jeunesse ainsi que la renaissance à leur juste valeur des dépositaires du trésor culturel, notre mémoire collective. Les régions de l'intérieur regorgent de patrimoine culturel vivant et cela ne vous a pas échappé. La diversité des activités menées aussi bien dans le domaine des créations artistiques que la promotion et l'insertion économique et professionnelle de notre jeunesse souscrit à cette idée que je vous en félicite.